tête dans les nuages, à l'écart du pôle, j'avais trouvé ombrage. J'étais naïf comme Rousseau, pas le donner le philosophe, mais toujours alerte comme dinosaure. Nous étions loin, mais loin des problèmes de banlieue, étions des anonymes dans cet autre milieu. Jimmy semblait au platine dans sa grosse bouée, c'est comme une glace que mon micro avait été tronqué. Mais même dans ce domaine qui mène à l'Éden, un pachyderme de haine me pose des problèmes. Je déteste ceux qui me détestent, ceux qui me détestent, ceux qui me prennent la tête sur plaque dans mes textes. Bouge de là, stand we go. Oh ouais, ouais, au bout de quelques minutes il s'en va. Parfait, je suis fan de mes fans, ils m'aiment, je les adore. Mais quand bien ils ne me disent que comment. Deuxième épisode de cette comptine, reconnu par ma photo dans un petit magazine. Un modèle m'interpelle à cause de victimes de la mode. Il me dit que c'est son boulot et qu'elle a pas de nom d'école. Ok, jamais. Comme une excuse, et maintenant, s'il te plaît. Rien de tes excuses, nous ne sommes pas de même monde. Et puis regarde tes pompes désuètes, elles sont immondes. C'est triste à dire, mais je n'ai pas bronché. Est-elle créatrice pour qui tu mal savais? L'antimode est à la mode, moi je n'ai pas de la mode. Cette cloche, c'était de la mode, mais son esprit fort moche. C'était l'un des 10 indices au-delà de la plastique du corps qui m'a fait dire pauvre, faut que je me repose. Chelou et tout, on s'aperçoit bien vite que les gens parlent pour rien. Alors je parle moins, autant de faire le bien. Si je t'ai plaqué dans ce texte, c'est pour que tu vois ton attitude une fois sorti du contexte. Alors prends ça comme un conte philosophique, prends du recul pour qu'avance en son instructif. L'autodidacte n'est pas didactique, ça c'est le hardcore. Il laisse son esprit à la tête du pourquoi, de tous ses temps morts. Et à toute l'équipe technique et du son et à toute l'équipe qui nous a accueillis, merci beaucoup.